Dans l'exemple 1, on fixe un réel k qui est strictement positif, pour ça qu'on dit constante réelle, puisqu'il est fixé, mais quelconque, et on te dit que grand A de B, c'est l'aire qui est comprise entre l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, le graphique de la fonction f qui a x associe k, donc c'est la droite qui est en bleu, et la droite verticale d'équation x égale à b, où b c'est un réel qui est strictement positif. Donc en fait, c'est la surface, on regarde l'aire de la surface qui est assurée en vert. Et on te dit ici, tu vois, si b est égal à 2, comme sur le dessin, eh bien cette aire, comme tu obtiens en fait en vert, c'est un rectangle hein, qui est assuré, et ici, on a 2 unités de longueur, et là on a k unités de longueur, eh bien ton rectangle, son aire, elle vaut 2 fois k unités d'aire. Et on voit que quand les valeurs de petit b changent, eh bien, forcément, l'aire de cette partie assurée va changer. Je te montre ce qui se passe ici. Donc, par exemple, ici, on a pris k égal à 1,5. Donc, le graphique qui représente la fonction f, c'est cette droite horizontale d'équation y égale à 1,5. On a pris b qui est égal à 2. Et donc, on obtient l'aire qui est assurée ici, c'est 2 fois 1,5, c'est-à-dire 3 unités d'aire. Si j'augmente la valeur de B, forcément le rectangle augmente aussi. Et quand B vaut 3, eh bien l'aire de ce rectangle est égale à 3 fois 1,5, et donc on a 4,5 unités d'aire, etc. Donc, on peut augmenter comme ça. Maintenant, je pense que tu as compris. Si la valeur de k change, c'est pareil, l'aire va changer. Donc, par exemple, si je mets k égale à 3 et qu'on a b égale à 4, eh bien, on obtient un rectangle de 12 unités d'aire. L'unité d'aire est représentée ici en rouge. Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut mettre 12 fois cette surface là-dedans. Et on le voit très bien puisque tu vois avec le quadrillage, donc ici on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, c'est assez. Quand on a un repère qui est orthonormé, je pense que tu comprends assez facilement ce qui se passe. Maintenant, si le repère n'est pas orthonormé, donc par exemple l'unité de longueur sur l'axe des abscisses est plus grand, ben ça change rien. On n'a pas la même unité de longueur sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées, mais l'unité d'aire, ben ce sera plus l'aire d'un carré, mais ce sera l'aire d'un rectangle. Un rectangle qui a comme longueur ici une unité de longueur suivant l'axe des abscisses et comme longueur de côté ici une unité de longueur suivant l'axe des ordonnées. Et donc là, on a encore l'aire de ce rectangle assuré qui vaut 12 unités d'aire, mais l'unité d'aire a changé. L'unité d'aire, comme le repère n'est plus orthonormé, c'est plus l'aire d'un carré, mais c'est l'aire de ce rectangle. Et on peut encore en mettre 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc dans ce genre d'exercice, essaie de bien faire attention. Pour visualiser l'unité d'aire utilisée. Et donc on retourne ici et on se rend compte finalement que quand on a notre fonction qui a x associe la valeur de k qui est constante, eh bien l'aire qui sera délimitée par la partie qui est comprise entre l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, le graphique de la fonction et la droite d'équation x égale à b, ce sera toujours b égale à k dans cette situation, hein, quand on a une fonction constante. Et donc ici, en général, comme l'objectif c'est de faire le lien qui
qu'il y aura entre l'air ax et la fonction fx, f de x. C'est pour ça qu'on a remplacé la lettre b par un x, parce que tu vas voir qu'il va y avoir un lien entre la fonction grand A et la fonction petit f. On verra ça plus tard.